Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous, c'est la Clinique, et aujourd'hui, ou plutôt ce soir, ça va être soirée Pac-Man, et oui, Pac-Man, où j'ai plein de choses qui sont bloquées apparemment, je n'y comprends rien, mais il y a plein de choses, oulala. Donc voilà, Pac-Man 99, qui remplace un peu le Super Mario 35, voilà, qui, dont on pouvait jouer un laps de temps très limité. Et là, nous avons Pac-Man. Bon, je l'avais déjà téléchargé il y a quelques jours de ça, mais bon, vu que je suis une grosse feignasse, et ben voilà, j'ai un peu tardé à faire la vidéo découverte. Donc c'est un jeu que j'ai jamais vraiment connu à l'époque. Ah, désolé, c'est la musique qui me trouble. J'aime bien ce type de musique, bien rythmée et tout. Hein. Donc là, on a les points d'expérience, rang 1 et tout. Allez, pas mal cette musique. J'aime bien. Allez. Partager et donner des batailles en ligne avec d'autres joueurs dans le jeu ou sur le site. On peut dire non. On est obligé d'accepter. Hein. Donc là, ça recherche la partie. Attention, attention. Oui, Pac-Man qui a fait sa première apparition dans les années 80, dans les bandes d'arcade. Ah, malheureusement, je pouvais pas jouer parce que j'étais pas né. Voilà. J'étais pas né. Et bon, mieux vaut tard que jamais, hein, comme on dit. Bon, j'avais fait quelques tests du jeu comme ça, peut-être dans les... mince, comment le dire? Ah d'accord, c'est avec on peut pas le diriger avec le joystick, mais avec les touches à droite, à gauche. Dans quelle version j'avais déjà joué? Déjà pas dans les bords d'arcade, ça c'est sûr, mais... Ah, quand les fantômes sont bleus, comment est-ce qu'on peut les dévorer? Est-ce que c'est les autres joueurs, ça, les ombres de Pac-Man qu'on voit? Bon, la cerise, je crois que normalement ça donne des poils. Allez, je bouffe tout! On bouffe tout! Voilà, le but du jeu c'est de faire un maximum de points. De jouer de façon stratégique, de bouffer plein de petits points comme ça. Je sais pas où est-ce qu'ils sont d'ailleurs les points. Donc, comme dans Tetris 99 et Mario 35, on peut choisir d'attaquer les adversaires aléatoires, riposte. Ah, j'ai perdu, désolé. Ah bah. Bon, je suis 57ème. Ouais. C'est un très très moyen. C'est très très moyen. Allez, on va prendre sa revanche. On va pas se laisser abattre comme ça, voyons. C'est long. Alors, se lance la partie ou elle se lance pas? Bon, il y a la riposte, il y a chasseur et KO. Chasseur. Ah, c'est pas les mêmes mots que... C'est pour s'attaquer à ceux qui essaient de nous faire perdre. Enfin, j'y comprends pas grand chose. Ah, il y a l'autre truc aussi. Attendez. J'essaie de... Ah, il y a train, il y a... Standard, plus fort, vitesse. Ouais, je comprends pas grand-chose, là. Ah ! J'ai pris un sandwich. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai gagné... Voilà, j'ai gagné, quoi. J'ai gagné un rang. Je suis passé au niveau 2. J'ai toujours les trucs bloqués. CPU, battle, score, attaque, blink, time, attaque, les records, sitting, Nintendo eShop. Bon, on va continuer ça. On va essayer d'avoir la meilleure place possible. Cette fois-ci, on se concentre.
et on apprécie la musique, bien sûr. Allez. Ah, vite, fantôme sans bleu. On s'est pêché. Allez, on bouffe tout. Rien. Là, je m'organise pas très très bien. Bon, je laisse aléatoire hein, sur les trucs là. Petit truc à gauche, je laisse en standard. Ah, je sais pas si on peut bouffer les petits, les fantômes. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de points comme ça, mais je vois pas où est-ce que... Où est-ce qu'il y a le score? Oh là là. Oh, Koloki. Ah, pris un sandwich. Encore une fois. Mais c'est nul en fait. Attends, voyons voir le résultat. Ah, j'ai 920 points d'expérience. J'ai fait 0 KO évidemment. Max de cible visée 12. Fantôme dévoré 10. Puis dévoré 0. Mais si j'ai bouffé une cerise tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais. Bon, je regarde le score. Plus gros combo 10. Ok. Masqué, c'est quoi? Ah ouais, c'est pour enlever ça. Bon, on va pas jouer très, très longtemps. Hein. Je vais faire une petite vidéo d'un quart d'heure à peu près. Là, j'essaie d'avoir le meilleur rang possible, voir si je peux aussi débloquer les autres trucs. Ah, la musique s'est arrêtée au meilleur moment, c'est dommage. Ah, petit truc. Allez, vite! Vite, on bouffe tout! J'ai faim, moi! Ah, il y a des trucs là. Franchement, je sais pas ce que ça fait. Dans le jeu d'origine, ça rapporte des points, les... des petits points blancs, mais là... Je sais pas. En tout cas, faut bouffer les fantômes, ça rapporte encore plus de points. En tout cas, dans le jeu d'origine, là... Je sais pas trop... Ah, je me suis fait avoir. Mais c'est vrai qu'il faut bouffer tous les points pour passer au stage suivant dans le jeu d'origine. C'est vrai que c'est comme ça que ça fonctionnait. J'ai déjà testé le jeu mais en émulation, enfin, je sais plus. Franchement, je ne saurais vous dire. D'ailleurs, ils avaient sorti un film aussi sur les joueurs des années 80 et qui se retrouvent 30 ans plus tard. Hein, qui était très fort dans le jeu Pac-Man. Mais malheureusement, j'en suis à plus du titre du film. Oh, je ne suis pas d'accord. Allez, on bouffe tous les points maintenant. C'est notre but de ce soir. Et tous les fantômes, évidemment. Ah, il s'est barré. Vite, ils vont se retransformer en... en agressif. Allez, on bouffe tous les points. On prend les fantômes, les cerises. Des petits trucs comme ça, je sais pas trop ce que c'est. Ah mince, il pile poil sur mon passage. Ah mince, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Ah, je suis déjà en rang 3, j'ai vu. Alors, je suis où? Je suis en bas. Je suis en bas. Très bien. Allez, on bouffe tout ça. Ah oui, c'est quand on bouffe le grand rond blanc, en fait. On transforme les fantômes. Je crois que c'est ça. Hein. En tout cas, ça a coïncidé avec ça.
Allez, on essaye au moins de bouffer tous les points pour voir ce que ça fait. Oh là là! Allez, on bouffe tout ça! On va prendre la cerise. Ah, mais ça va faire apparaître d'autres points. Mais je comprends pas, alors... Secours! Le but, c'est de bouffer tous les fantômes, alors. En tout cas, dans le jeu d'origine, pour passer au stage suivant, je sais pas s'il fallait bouffer tous les points ou tous les fantômes. Là, je ne sais plus du tout. Allez, vite. On bouffe tout ça. Ah mince, ils vont se retransformer. Enfin, un gros point. Un gros point. Oula, attention, la musique a changé. On est passé aux choses sérieuses. Ça va chauffer dans le Bermuda. Ce soir avec Pac-Man, c'est soirée disco. Soirée disco. Faut y faire un bisou, fantôme. Vous voulez jouer au plus malin, hein? Et où les points? Ah, il m'a eu! Il y avait plus de gros points blancs. Oh, bah voilà! Je suis passé en rang 4. Et je suis combien? 31! Ah, parfait, quand mon pseudo Darkling 31. Oh, bah, c'est sur ce magnifique résultat qu'on va s'arrêter. On va retourner au menu pour voir. Ah, mais il y avait une fraise! Comment c'est les... battez les 98 joueurs. Ah, bah, c'est marqué en bas ce qu'il faut faire pour débloquer les trucs. Ok, et là, tentez de battre le record à vous. Ah, ouais, les gars. Ok, je le lis en bas. Pourrez-vous terminer le labyrinthe avant la fin du temps imparti? D'accord, donc en fait, pour débloquer ça, il faut être. Battre 98 joueurs pour débloquer ça, il faut réussir dans ça et ainsi de suite. Voilà, voyons voir les scores, le classement en ligne, les crédits. Waouh, pack champion 2056. KO 16 000. Ok, ils sont très forts. Ils sont très forts. Ah mais il y a les onglets en haut, j'avais pas vu ça. Bon, j'ai joué 5 minutes, mais non, j'ai joué plus que ça. Total de fantômes déorés, 99. Pile poil 99, c'est beau ça. Le total de pack bill dévoré, 984 pardon. C'est les pack bombes dévorés. Pack gomme dévoré 20. Bon, après, voilà. Un nombre total de parties 7. Ah oui, c'est bataille ordi ça. Et vu que je l'ai pas débloqué, il y a des bulles partout. Ok. Crédit jeu. Là aussi, il y avait des onglets. Chasse au point. Contre la montre. Voilà, ça on l'avait pas vu. Voilà. Ah, c'est très impressionnant, ils ont fait tous pareil. Ils ont tous le même score. Ouais. Bon allez, on va s'arrêter là. Voilà, c'est pour vous montrer aussi en même temps le setting. Configurer divers paramètres à partir d'ici. Non, j'ai rien envie de configurer du tout. On va s'arrêter là. J'espère que... Ah, il est parti privé aussi. Tu vois, c'est la partie privée. Ça veut dire on peut jouer tout seul. Allez sur le Nintendo Shop pour acheter le contenu téléchargeable. Ah, d'accord. Bon, ouais. Ouais, j'ai voulu regarder comme ça par curiosité. Allez, on va décrocher un peu de ce jeu, hein. Je sais que la musique est magnifique, mais quand même.
Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !